Ouais. Que patriarche Jacob pas content. Li perdu papa Isaac et puis il perdu madame ni Rachel qu'il remet en pile. Ça son gros tête chargé, vin tande. Re salut, c'est encore Loni qui vient porter parole de vie en Genèse chapitre 35. Côté bu sujet aujourd'hui, c'est la mort d'Isaac et de Rachel. Donc il y a deux la mort dans famille ça et Bouitsoukou. Donc on prie. Adorable Chada, dans moment ça nous remercions pour grâce ou pour fidélité ou bonté envers nous. Nous demandons dans moment ça s'il vous plaît pour capable venir assister nous dans étude biblique ça et qui c'est dans Genèse chapitre 35 et ouvert entendement nous, ouvert et que nous pour nous capable comprendre ça nous pral lire et que peuple là qui pral tendre et passage ça yo pour capable très réceptif et pour de façon à ce que il capable prendre et comprendre ça qui a passé pour édification dans nous. Dans moment ça nous dit merci c'est pas parce que nous bonne dit mais c'est pas mes petits tout. Yeshua qui vitera au siècle des siècles. Amen. Donc et vidéo précédente nous t'ai parlé que tu enlevé Dina dans et Sichem avec Amor et qui était à mort et wapi hein et Sichem petite li était enlevé et Dina qui était seule petite fille Jacob et nous te voit que ça t'est fait un dérapage que ça t'est fait à c'est côté et monsieur yo et Reuben avec Lévi t'est décidé ratiboiser depuis ces jeunes garçons dans zone hein était kidnappé et mesdames avec Timonio et comme vengeance pour ça. Donc je veux dire c'est Genèse chapitre 35 nous allons parler de la mort de Jacob et la naissance de Benjamin et puis la mort de Isaac la naissance de Benjamin et puis la mort de Rachel. Donc Genèse chapitre 35 dans Bible Gédéon nous dit verset 35 et chapitre 35 verset 1 il dit et El Shaddai dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un autel et au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Donc nous connaît que l'elle t'a fui Esaü nous songe il était construit un monument à Bethel. Donc c'est la fête rappeler qui monde qui a parlé avec là. Donc verset 2, il dit Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous changez de vêtements. Donc nous songe qui ça dit il demande au pour retirer les dieux étrangers. Et puisque la bande est cherchée, il n'y a pas trouvé rien, et bien c'est parce qu'elle connaît que selon Josué 24, verset 1 à 18, Josué 24, 1 à 18, il dit que clairement, que moun sa yo séché ou ben jadis sa yo tap servi. Donc ça veut dire que l'elle dit retirer du étranger, et il doit ses propres teraphim pa yo, il n'est pas obligé ses teraphim pa la ban, il doit ses amulettes que te gen sou yo, des talismans, ça veut dire que des affaires de protection que te gen sou yo, bijoux, et toute qualité de bagages que te gen sou yo, parce que yo pas tap servi. El Shaddai comme tel, c'est Jacob qui vient mener mouvement El Shaddai à la caillou, il va te connaître ça. Donc il mande ça. Donc est-ce que dans moment ça que Rachel pas de et tous profiter dit Marie a consacré chérie ou pendant n'a débarrasser nous de teraphim de toute bagarre que nous gagnons yo c'est moi même qui te prend bagarre papa mio parce que nous songe que Jacob te dit péris moun qui te prend chérie et qui te prend et teraphim yo donc ça veut dire que il pas dit côté que il fait exercice ça et ben et mamzelle pour joindre l'en molle là non les cap vini yo donc pendant n'a débarrasser bagarre ça et donc Mamzal pas fait ken bagay pour dire et quoi que ce soit parce que pas dit ça là il mandé aussi pour changer de vêtements ça veut dire que était sur route là changer de vêtements changer de position changer d'attitude changer toute bagay ça honnête hein changer de vêtements tout parce que était marchant pile sur route là donc ça veut dire mettez nous propre au niveau de l'âme aussi parce que il était faire débarrasser de toute bagay ça donc il dit verset 3 Genèse 35 verset 3 Bible Gédéon il dit nous nous lèverons et nous dirons à Bethel là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé pour le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage que j'ai fait on va songer que il était parlé avec El Shaddai il était dit El Shaddai est consacré et ben ou même qui était béni et sous béni m'a baou le dixième de toute bagarre sous me songer bagarre ça c'est ça la parlé là et donc on a continué Genèse 35 dans version Gédéon Bible verset 4 il dit il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles et Jacob les enfouit sous les térébintes et près de Sichem donc ça veut dire que nous pas et c'est pas parce que bouc d'oreille était météo c'était forcément c'est Dieu était mais ça veut dire que nous pas connaît qui s'acte là-dedans parce que nous connaît bag monter chaîne monter tout bas ça nous connaît on habitué avec eux dans monde là donc ça veut dire que tu gars fait pas là-dedans tu étais capable bye bye ça
Verset 5, Genèse 35, verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de El Shaddai se répandit sur les villes et qui les entouraient et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Ça veut dire que tout bas a vint camper parce que tu as un problème. Côté où tu as poursuivi pour qui ça, pour dérapage que petit Lyo t'a fait. Donc, il dit que terreur et El Shaddai étaient vint sous mon saïo. Donc, c'est ça que fait. Bah, il continue de stopper. Verset 6, pour que ça m'a couru. Quand ça va se grand pile tissu, bah, pam de la donne. Verset 6, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Donc, nous songeons que l'était changé dans zone non, les pas très les lus encore, littéralement le Bethel et nous songeons ça dans Genèse 33 et côté l'était venu bâti un hôtel côté littéralement El Eloé Israël. Il est arrivé dans Canaan. Donc Genèse chapitre 35 toujours dans verset 35, il dit verset 8. Verset 7, il bâtit là un hôtel, il appela El Bethel. Ça nous dit, nous sommes dit dans Genèse et nous sommes référencés dans Genèse 33 et verset 20. Donc, côté il bâtit l'hôtel là, qui est El Bethel. Et dans verset 8, là, Genèse 35, verset 8, il dit Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Donc, ça veut dire que et Déborah, c'était nourrice Rebecca et il mourut. Et donc ça veut dire que la mort a passé dans Kamoun Sayou. Hein? Verset 9, Genèse 35, verset 9, El Shaddai apparut encore à Jacob près de son retour de Padam Aram et il le bénit. Donc il bénit cette fois-ci encore. Verset 10, El Shaddai lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Là, faire une récapitulation, n'est-ce pas, de ça qui t'est passé et dans Genèse. Et côté l'été bataille avec l'ange de l'Éternel et dans Genèse chapitre 32 et dans verset 28 côté le dédou pas brûler encore bagarre faire récapitulation pour mon yo pour songer ça qui est passé et Genèse chapitre 35 verset 11 et il dit comme ça que El Shaddai lui dit je suis le Dieu tout-puissant sois fécond multiplie l'a expliqué l'a faire expliquer mon Dieu ça le dit qui promet c'était fait à Abraham à tout le monde ça et puis à lui-même je dis et continue qu'on a Genèse 35 verset 13 il dit El Shaddai s'éleva au-dessus de lui et dans le lieu où il lui avait parlé verset 14 et Jacob dressa un monument dans le lieu où El Shaddai lui avait parlé bah comme ça il était bah lui bah comme ça à Bethel ça c'est l'été rencontré avec lui à Bethel et dans Genèse chapitre 32 l'a expliqué là qui s'est passé et qu'on a là dans Genèse chapitre 35 verset 16 un nouveau événement qui vient de passer événement ça qui vient de passer c'est naissance de Benjamin côté Benjamin qu'on a là vient fête et ben ça qui s'est passé nous songe très bien très 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 bien qui s'est passé côté les bagages graphiques non te a pédalé nan côté la bande a suivi yo et nan Genèse chapitre 31 et particulièrement dans verset 30 il dit et la bande demandé Jacob maintenant tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes dieux nous songez ça très bien dans Genèse chapitre 31 côté la bande demandé ça et ben dans Genèse chapitre 31 verset 32 eh bien, Jacob t'a prononcé en sentence, il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Mouna, dans Genèse 31, verset 32, et Jacob t'a dit, mouna qui t'a volé Dieu, c'est pour le mourir, c'est pour le périr. Et nous te voir que, côté dans chapitre 35, là, dans verset 2, elle t'a demandé pour te retirer Dieu, eh bien, il t'a baillé tout ça, il t'a possédé, mais pas de gain en confession que Rachel t'a fait pour te dire, oh, excusez, priez pour moi, rien, quoi que ce soit. Donc, Genèse 35, verset 16, ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, verset 17, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu as donné un fils. Donc, verset 18, il dit, et comme elle allait rendre l'âme, comme Rachel d'après mourut, elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, ça veut dire que douleur, peine, mais Jacob changea son nom pour Benjamin, qui ça Benjamin veut dire, ça veut dire que fils de ma droite, yon petit moun kap a droite moi. Donc, mamvel mouri.
N'est-ce pas, nous dit Genèse 31, 32, t'es gain sans, et sentence santé prononcée par rapport à Théraphim, il pas dit ça parce que l'autre a te dit périsse. C'est ça qui précipitait la mort. Et donc, et c'est quelque chose. Donc, il fin fait, donc, il dit consacré dans verset 19, Genèse 35, 19, à Bethel, oui, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc, à Ephrata, à Bethléem, ça fait nous songer que c'est dans la zone ça que Yeshua et petite Marie, et on nous dit encore par génération parce que Jésus est Dieu, Yeshua est Dieu, mais par, et c'est ma, dans votre mari, il passait pareil, n'est-ce pas, par une femme, par la porte, hein. Et donc, c'est à Ephrata, nous sommes bah, à Ephrata, à Bethléem. Donc, Genèse 35, le verset 20, il dit, Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il existait toujours. Donc, Rachel mourit là. Donc, on a là, nous prenons verset 21, hein, parce que c'est l'autre sujet qu'il a connu. Bagayo et commencer non l'autre dimension côté n'a pas un petit type n'a pas un changement de sujet qu'on a là Israël ça veut dire que Jacob nous songeait que non il était changé n'est-ce pas que depuis il était fini et combattre avec l'ange de l'Éternel là il dit pas pris le encore dans Genèse 31 et 32 dans verset 28 non il était changé il parlait le Jacob encore l'Israël ça fait dire dans 21 Israël parti ça veut dire Jacob et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder il dit verset 22 pendant qu'Israël habitait et cette contrée, Reuben alla coucher avec Bilhah, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Bon, mes amis, des bandades du troupe, et Reuben, qui m'ont quitté Reuben, il faut nous capables de parler de Reuben, eh bien, Reuben, dans Genèse chapitre 29, verset 32, Reuben, c'est le premier petit que Jacob t'a fait avec Léa. Dans Genèse 29, verset 32. Alors, et qui ça et nous songer que et Léa te dit que Reuben c'est petite que humiliation ni parce que te raïl et Jacob pas très men te raïl il vient faire tout monde ça c'est de Reuben ça ou c'est Reuben ça pour petite lit qui te prend qui te couché avec Bilhah alors pour nous capable parler aussi qui est-ce qui Bilhah alors c'est avec Bilhah ça il te couché qui mon qui Bilhah et ben selon Genèse 29 29 le et Rachel pour le marier l'abandonna à Rachel Bilhah sa servante. Et donc, Genèse 29, et c'est servante Rachel. Dans Genèse 30, verset 3 à 7, c'est Bilhah ça, qui servante Rachel. Ça, que Rachel te voyé à le coucher avec Jacob dans Genèse 30, verset 3 à 7. Qu'on est là, Rachel vient mourir. Ça veut dire que ni petite Bilhah, qui se donne avec Nestali, qu'on vient dans Genèse 30, verset 6 à 8. Et donc Genèse 6 à 8 et c'est dans avec Nestali c'est petite Bilhah donc avec Bilhah donc ni petite Rachel lui tout Joseph parce que dans Genèse 30 24 il était enfanté Joseph et puis ni Benjamin tout dans Genèse 35 verset 16 à 18 tout le monde ça sous juridiction Bilhah parce que Bilhah c'est servante Rachel. Ça veut dire que si nous venons comprendre l'histoire bien c'est que et nous venons joindre que Jacob a obligé d'entendre Bilhah plus souvent. Léa perdu compas net parce que qu'on y a là Rachel parlait encore mourir et Bilhah trouvait gain 4 timoun nan men parce que Rachel c'était madame préférée Jacob donc a vinn gain plus va-et-vient d'entendre Bilhah. Ça veut dire que Bilhah vinn censé madame principale et Jacob parce que à cause de Benjamin avec avec Joseph plus li gain donne avec Nestali et servante ça c'est lui-même qui était bras droit et Rachel. Donc ça veut dire que Reuben lui-même Reuben vigilant. C'est des interprétations n'a fait mais là nous regarder dans l'histoire si on papa gagne des concubines et papa a vienne mourir c'est premier garçon qui pour hériter de concubine ça mais Jacob beaucoup mourir mais vinn gon bagaille oui ben garder situation tout faut intelligent parce que pas oublier qui ça la Bible te dit nous hein et dans Daniel 12 verset 4 il dit comme ça que plusieurs lions et la connaissance augmentera donc n'a pas pour nous capable faire des parenthèses donc Reuben garder les voir que vote là pas bon pour maman Léa et ben Reuben pral gâter vote là pour qui ça Reuben pas t'al coucher avec Zilpa. Zilpa qui se servante maman parce que son maman lié pour lui tout et puis Zilpa pas en menace pour maman. Reuben a couché avec Bilhah parce que pour éviter va-et-vient d'entendre Bilhah parce que maman a vinn perdu compas en bagarre et ben li gâté jouet là, li couché avec Bilhah et ben li oublié que lui même c'est premier garçon li que c'est bénédiction c'est lui même qui pouvait li oublier ça, la protéger maman tout en quelque sorte, là le couché avec Bilhah pour gâté jouet là papa pas sous Bilhah encore qu'on a là pour l'obliger à côté maman et Léa. Donc, à
analyser ça n'a dit ensemble pour nous voir situation. Qui ça proverbe 17 verset 15 dit? Proverbe 17 verset 15 dit justifier un coupable ou faire passer un coupable pour un juste sont tous en horreur de El Shaddai. Donc est-ce que Ruben t'est agi par inadvertance? Ça veut dire que sans pas faire exprès. On nous réfléchit sur ça. Donc nous songeons t'es un dérapage comme ça qui t'est passé dans 2 Samuel 16 21 côté nous t'es ouais Achitophel qui était un conseiller David t'es venu faire vol de face à mettre là avec Absalom petit David qui était besoin de David en coup d'état qui t'est dit comme ça que sous besoin fait papa fâché à le coucher avec concubine yo. Donc nous voyons ça dans 2 Samuel 16 21 côté Absalom t'est rentré vraiment là le coucher avec Abigail avec et l'autre mesdames yo que papa t'a gagné comme concubine yo. Donc c'est pas première fois dans l'histoire dans la Bible que mesdames que on petite a couché avec concubine papale. Donc c'est pas nouveau quand même mais c'est des dérapages à jouer quand même. Donc on a continué bagarre ça. Donc c'est une abomination bagarre ça. Et puis Genèse 35 le verset 23 et il a parlé des fils de Léa, il dit c'est Ruben qui premier né, et Siméon qui deuxième, Lévi troisième, Juda quatrième, Issachar, Zabulon et puis on peut pas parler de Dina parce que nous dit encore c'est dans société patriarcale. Yo, on pas parler de mesdames à moins que un gros événement. Dans verset 24, il dit fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bilhah, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Verset 26, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer, ce sont là les fils de Jacob qui lui naquira pas dans Maram. Nous te dis ces 12 tribus, bon, bah, ça, société patriarcale, donc, c'est de messieurs, on va parler de mesdames, donc, est-ce que c'est désolant? Bon, on pas capable d'aller à l'encontre de bagayo, c'est dans les plans divins, on pas compte pour qui ça. Mais, est-ce que nous-mêmes, mesdames, nous pas gain place? Nous gain place, nous aussi. En tout cas, Genèse 35, verset 27, il dit Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kijaraba, qui est à Hébron, où avait séjourné Abraham et Isaac. Il n'a pas parlé de la mort de Rebecca, ben valeur, il n'a pas parlé de Rebecca, mais ça veut dire que nous capables que Jacob, pas jamais, n'était pas maman, comme maman n'était pas passé dans l'autre, à l'autre bord. Il n'a pas même souligné la mort, madame, non, même, et la mort Rebecca, donc c'est désolant. Donc, yo dougue et lui-même li gen et Jacob qui est arrivé à Kijaraba à Mamré et côté li rencontré avec papal mais c'est protège dans la mort papal connait là la bagarre verset 28 dougue les jours d'Isaac fut de 180 ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jours et Esaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Donc ça veut dire que nous songeons que et Esaü était dans zone Seir c'est tout collé papa a. Donc ça veut dire que les Jacob apparaît il est obligé tu gain on t'y va et vient quand même qui était fait au niveau des conseillers peut-être il était capable voyer des travailleurs pour expliquer ça. Donc il connaît que papa le mourit donc c'est eux deux a Esaü avec Jacob qui étaient ensemble qui étaient enterrés et qui étaient enterrés et Isaac. Donc n'a font tirer aller qui était Rachel qui parce que là il mourit tout. Nous voyons que Rachel c'était petite Laban qui ça Laban c'était sœur c'était frère Rebecca et petite Nachor et donc ça veut dire que c'est là que et Jacob t'est allé il était travail 7 ans pour lui c'est premier monde que Jacob t'est rencontré là il t'a pral et Laban alors il était d'amour pour fils il travaille 7 ans pour lui et donc nous pral parler qu'on a là de et donc nous voit que il fait dérapage il était volé et rafim papal et puis il y a une malédiction t'est pendue sous tête lui il pas il a dépouillé de Dieu il était capable profiter occasion pour te dire Marie c'est lui même qui t'est volé pour être capable prier pour lui encore nous voit que à cause de ça par ça t'est suscité une mort soudain pour qui ça nous dit ça par nous-mêmes qui dit c'est selon la Bible que Marie t'est prononcé que mou et périsse moun qui t'est fait ça. Donc on a parlé de patriarche Isaac qui c'est un moun important et tout moun important mais il fait en pile bagarre tout. Donc qui est-ce qu'Isaac m'a parlé que et n'a parlé de la vie Isaac, n'a dit que c'était Isaac c'était petite Sarah avec Abraham qui qu'il était fait dans vieillesse selon Genèse chapitre 21 il était né et non vieillesse et côté et l'ange de l'Éternel t'a fait la promesse à que la enfanté dans Genèse 21 t'a fait vrai. Dans Genèse 22 côté et papa l'Abraham t'a sacrifié t'est allé pour la sacrifier parce que sous l'ordre d'El Shaddai mais il pas trouvé fait vrai un mouton t'est venu paraître. Dans Genèse 23 maman vient mourir quand elle devine tomber chagrin à cause de la mort maman alors dans Genèse 24 et Abraham t'est
te mande Eliezer de Damas pou la chèche yon fi e Bali nan Padam Aram e nan Mesopotami la ka e paran yo pou kapab bay e Isaac de fason aske pou pa marye et pou pa épouser les filles de Canaan dans Genèse 24. Donc dans Genèse 25 Abraham te mouri nous voit que c'est Isaac avec et qui était enterré ensemble avec Ismaël. Alors et donc Abraham même était marié avec Rebecca et madame ni qui était stérile aussi mais côté il était venu faire deux jumeaux qui était un Esaü avec Jacob. Et maintenant Genèse 26 et Isaac était habité dans pays philistin côté il était obligé bah menti dit que madame ni Rebecca qui était belle de figure pas madame ni mais philistin yo et ouais tu as suivi cause elle c'est pas vrai donc côté nous voit que philistin yo dans pays philistin était fait et Isaac en pile méchanceté côté tout puis que Abraham t'es fouillé yo t'es mis roche là-dedans mais nous dit que patriarche là t'es crié et ça parce qu'il déconne que El Shaddai t'a fait la promesse il était quoi dans promesse El Shaddai et selon nombre 23 et 19 il connaît que El Shaddai pas un dieu et pour mentir ni un homme pour mentir il était suivre et toute bagarre ça yo et puis il était qu'un bé ferme il était continuer et suivre promesse et puis nous dans Genèse chapitre 27 en complicité avec maman nous voit que Rebecca que Rebecca avec Jacob t'est truqué Isaac parce qu'elle était commencé à entrer en âge et vision elle était affaissée elle était couchée alors côté il était volé droit de naître ça côté Isaac t'est fâché mais elle était obligé à accepter et bagage ça parce que et on yon bagaille et prophétie déjà pendier sous sujet ça côté elle te dit que deux jumeaux et pral nan ventou et ben et pipitia et pral c'est lui même qui pral monter sous tête pigoua ben nous dit que Rebecca était réceptif à sa bagaille ça mais selon Genèse chapitre 25 dans verset 19 à 20 nous dit que bagaille ça était mal tourné nous dit encore que Jacob et c'est au monde qui était Excusez, nous dit que Isaac est selon Genèse chapitre 25 verset 29 nous dit que et verset 27 nous dit que et deux timon yo t'ap grandi en parlant de deux jumeaux Jacob avec Esaü et ben dans verset 28 Genèse 25 verset 28 nous dit Isaac te remet Esaü plus que Jacob et Rebecca même te remet et Jacob plus que Esaü. Donc nous dit encore dans Genèse et chapitre 28, Isaac demande pour Jacob partir en Mésopotamie pour aller chercher une fille parce qu'il pas voulait le prendre moun dans zone Canaan. Donc nous dit que il était obligé et béni Jacob pour qui ça parce que bon, c'était quand même et El Shaddai était déjà baro vision eschatologique ça que pipitien a passé j'ai a sous tête plus grand donc et Isaac était obligé suivre bagaille et n'a dit encore que et donc qu'on a là et patriarche ça et qui relé Isaac là mouri et ben li et vivi li mais nous voit que li pas désobéi à El Shaddai, li dérété conséquent, li bay petite li tout mise vote Esaü avec Jacob mais malheureusement nous voit que El Shaddai fait salvé bien que tout nous dit que El Shaddai li capable disposition au cœur. Non, nous capable dit que quand même c'est dur pour nous capable ouais situation ça ou comment le passer que bon vraiment yo t'ai truqué et Isaac parce que et Rebecca avec Jacob t'ai truqué parce que le patoué. Donc c'est comme ça que nous parler de la vie de Isaac, il est mort à 72 jours. Donc nous dit que il est mort à 180 l'année. Donc c'est ça il est mort et bagaille ça ce chapitre là fini comme ça. On nous prend quelques terrains pour nous dire que qui ça dit de la mort et puis de trucage tout bagaille ça. On dit Proverbe 3 verset 32, il dit comme ça que et n'a parlé de et à propos de Reuben dans Bible Matin et Proverbe 3 verset 32, il dit El Shaddai a horreur des hommes pervers mais il est un ami pour les hommes droits. Ça veut dire que nous est son perversion que Reuben t'a fait le fait que l'a couché avec madame et concubine papale. Donc c'est pas bien et ben ça pas qu'à fait, c'est une abomination liée, il pas prendre et nous que et patriarche là et Jacob pas prendre non plus. Et qui ça que nous et ça dit à propos de la mort, ça le philosophe ça dit que la mort c'est un projet qui détruit tous les projets et qui se détruit lui-même.
La mort, c'est un projet qui détruit tous les projets et qui se détruit lui-même. Donc, nous voyons que la mort, c'est un projet qui détruit tout projet et puis qui détruit tête tout parce que nous n'en parlons encore. Donc, qui ça, philosophe Mustapha dit à propos de la mort? Il dit que la mort, c'est un rendez-vous obligatoire pour l'homme. Elle nous sépare en trois entités, l'esprit, l'âme et le corps. Et notre corps reste terrestre et l'esprit et l'âme sont restitués à la pensée universelle. Le philosophe Mustapha dit que la mort, c'est un rendez-vous qui est obligatoire pour l'homme. Il sépare trois bagages, qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. Il dit l'esprit a lui-même, et le corps a retenu en terre et l'esprit avec l'âme, lui-même, lui évaporé, l'aller dans la pensée universelle. Qui ça, et Nab dit à propos de bagay sa yo que nous sommes parlé. Nab dit que nous capable prendre des leçons. Nous avons plusieurs leçons pour nous capable prendre dans chapitre 35 ça et de la Genèse. Premièrement, nous voyons que le mensonge et puis et le trucage de Rachel côté nous-mêmes et c'est pour nous capable des fois lui demander pour nous capable témoigner. Bon, pendant Nab dit ça, gain de bagay, gain le témoignage et la vie privée. Gain de l'air conseil de bagay ou pas capable paraître à tout venant parce que des fois c'est même pas encore qui capable faire ou quitter l'église, c'est même bagage ça. Témoignage ça qui capable bon, ça pour moun qui bon, moun gen moun qui en fouté aussi hein. Et qui capable faire ou quitter l'église. Donc gen vie privée, gen témoignage, gen des bagages ou parler avec bon Dieu et pour capable venir moun ou senti moun nan plus ou moins dans parole là, ou ka dit moun nan mes amis. Et pas décourager avec un tel, mais même commettre tel péché aussi. Si moun nan va vle parler de péché à tout ça c'est bagage qui garder moun nan ou même ou connaît ou même ou clair. Mais pas faire profiter tout parce que ces bagages ça tout capable faire Rachel pas de vle raconter Jacob bagage ça pour moun pas attendre que c'est lui même qui t'a volé pour pas mal paraître. Mais et nous-mêmes là mon fin bail un témoignage pas prendre témoignage à tout pour nous faire témoignage à tout n'est un problème parce que me songe là tes grand madame qui t'a dit mais famille dans manufacture me pied manufacture me pied et puis gonsec tes problème avec lui dit oh, maman chat maman volé donc pareil ça ou pas prendre témoignage monde pour servir un jour même donc nous Rachel c'est plein problème dans camp probablement c'est une raison yo probablement c'est cachotterie qui fait ça probablement aussi c'est capable c'est raison ça donc nous capable bon bagarre encore pour nous capable dire que la mort est frappée en pile nous que Déborah nourrice Rebecca est mouri nous encore que Rachel mouri nous Isaac mouri donc et été frappé par la mort donc la mort est présente dans camp donc comme ça comme philosophe Mustapha dit que son rendez-vous obligatoire la mort et nous connaît que depuis dans Genèse et dans commencement côté et Adam et Ève te commettre bagalan et Chada te déjà ba nous sentence nous il dit comme ça c'est poussière nous n'a pour tout dans poussière donc il est pas facile la mort pas facile et puis encore nous te voir dérapage Reuben avec dans condition ça côté Reuben te son bagarre malhonnête ta couche Abila mais là nous garder dans bagarre yo n'a pli yo nous que c'est est-ce que c'est pas pour te protéger maman comme si ça vienne paraître que c'est pour maman il était besoin protéger parce que Bila te représenter une menace farouche pour Léa, est-ce que c'est pas ça le besoin fait? Bon, il était capable d'attirer par Bilhah, mais est-ce que c'est pas jouet là, il était voulait gâter jouet là, il était besoin gâter équation. Des fois ça arrivait côté il voulait gâter équation parce qu'il était ouais comment maman était humilié dans situation, il était capable de voulait ba maman un petit repos. N'est-ce pas on garder ça ensemble pour nous ouais, on analyser pour nous ouais si c'est pas ça le cas. Donc nous même avec aujourd'hui là et qui ça nous capable ouais comme bagaille éviter le trucage éviter le mensonge l'hypocrisie éviter toute bagaille ça et puis avant nous prononcer son bagaille tout et puis là d'ailleurs nous même quand je dis en là cap servir El Shaddai nous pas gain droit lancer des imprécations nous pas gain droit lancer des imprécations nous pas gain droit parce que nous songer côté le Yeshua t'es gain pour t'aller dans ville et puis côté et apôtre yo te paraît peut-être dit comme ça que même monsieur a pas recevoir et puis il te dit comme ça que il te dit comme ça oh c'est pour nous et calomnier c'est pour nous capable et c'est pour il dit je demander Yeshua pour être capable maudit moun yo parce que pas recevoir yo et mais Yeshua te dit que et ben comme ça de quel esprit que nous animer donc nous pas gain droit faire des imprécations et concours et Noé était maudit comme nous est que et patriarche là donc Luc 9 verset 51 à 56 Luc 9 51 à 56 donc nous côté nous était ouais côté et Yeshua t'a demandé
et de apotio n'est-ce pas donc lui dit comme ça que et Yeshua te prend résolution pour aller à Jérusalem il te voyait messager et dans bout de samaritain pour te capable préparer un logement pour lui mais il pas trop se voir alors disciple Jacques avec Jean le disciple de Jésus Jean avec Jacques pour son frère bien-aimé et donc dans Luc 9 verset 9 à 50 et verset 51 à 54 il dit et consacré disciple Jacques avec Jean et mandé le consacré pour que ça pas faire feu du ciel tomber pour consommer mounio alors Yeshua te répond dans verset 55 donc Luc 9 55 il dit et consacré il reprit mandé il dit consacré par contre de qui esprit animé parce que il dit le fils de l'homme dans 56 ans le fils de l'homme pas de venir pour le capable perdre une âme mais pour le capable sauver une âme donc chaque fois nous parlons au monde m'a dit chanson j'ai dans Luc chapitre 9 verset 51 à 56 donc Luc chapitre 9 verset 51 à 56 pas fait ça côté nous te voir dans 2 rois 1 verset 10 côté Élisée t'es fond des rapages t'es maudit des timoun parce que t'as pris le chauve t'es timoun t'es mouru donc Jacob encore et prononcer que mot et péris moun qui t'es prend et rafim et la banyo et puis nous comment Rachel mal passé nous que Noé t'es maudit comment ça passé mais nous même je dire qu'ab vive alors songez ça qui dit dans Luc chapitre 9 verset 51 à 56 pour nous pas maudit moun parce que elle ça pas nous droit ça pour nous maudit moun parce que il dit par contre de qui esprit nous animer ça veut dire que moun yo te nan ancien testament yo t'a foncé des bagages parce que yo te sous la loi c'était la loi du talion bon bah ça pas te considérer comme un problème quoi que tout se paie quoi que tout se paie parce que regardez qui s'est passé il était dit comme ça moun nan fòl mouri regardez qui moun ki mouri pas les actes mouri ni servante c'est madame parle que le terrain pile donc fais attention et avant nous courir dit comme ça que c'est pour tel bagage arrive au moun pour ça nous pas dit et prier pour moun nan capable joindre yon grâce devant bon dieu parce que c'est servante li nouye parce que si ba elle arrive la privée parce que l'ennemi en tout le jour là chez déjà dit toujours là il y a délégué il y a agent patenté cap coûter cap prendre note tout pour ba exécuter tout et puis tout et chadab d'accord parce que c'est serviteur nouyé mais attention tout se paie parce que nous même tout nous gain faute mal de peine nous font bagarre n'a payé aussi parce que nous te fait un mal de faute n'a payé un mal de peine tout se paie ici la loi du karma c'est là li en bas là tout nous pas dit que ba gain enfer non gain enfer gain paradis mais qu'on est là pas pour gain enfer et paradis nous qu'on a gain le lieu du tourment et puis gain pour aller reposer pour là passer pour gain jugement final donc c'est ça donc nous dit merci à tout monde qui a écouté et puis nous aimer nous dit merci et puis on nous prier pour nous capable finir vidéo comme nous dit que nous t'ai parlé dans de Sat et qui te dit que la mort c'est pas seulement un projet mais qui détruit mais c'est un projet tout qui détruit lui-même nous t'ai parlé de proverbe 3:32 qui te dit que El Shaddai gagne horreur avec moun pervers nous t'ai dit que c'est Reuben c'est pervers il t'accouche avec une papale nous t'ai parlé de 2 Samuel 16:21 nous dit Achitopel t'es bail et Absalom mauvais conseil tout pour t'accouche avec une papale nous t'ai parlé nous dit que c'est et c'est et malédiction que et la et que Jacob te bail sou et pour moun qui te volé Téraphim pour moun nan mouri qui fait Rachel gen mort subite ça nous te parlé aussi de proverbe 17 verset 15 qui dit que ça que pour sou justifier on pas ca et Shaddai pas voulait moun ca justifier moun qui coupable et puis pour faire un moun qui innocent passer pour un coupable nous a demandé est-ce que dans qui but que Reuben te fait ça nous dit que bon il est probable que Reuben c'était pour capable aménager maman il y a pas quitté mal gardé que Bilhah c'est lui même qui t'a occupé Benjamin avec Joseph le Rachel fin mourir puis il y a gain deux petites den avec Neftali donc c'est gain plus va et vient en camp et Bilhah t'a une sortie privilégiée parce que c'est servante Rachel qu'il était parce que c'est lui même que Jacob dit mais est-ce que c'est pas une raison ça yo qui fait et Reuben gâté vote là pour mettre vote là tête en bas nous dit encore que pour qu'il fait la coucher avec et bah papa nous dit comme ça que mais selon coutume si Jacob t'est mort concubine t'a vienne pour concubine parle selon la coutume mais lui même c'est pendant papa le vivant que le fait ça même genre avec Absalom dans 2 Samuel 16 21 qui te fait même dérapage ça nous dit encore que pendant que Jacob t'a demandé pour capable débarrasser de dieu étranger il était capable profiter occasion hein et Rachel était capable profiter occasion pour faire prier pour lui et nous dit comme ça que et pour qui ça que le demander pour débarrasser parce que selon Josué 24 verset 1 à 18 monde ça pas t'a servi et El Shaddai c'est chez Benjadis ça t'a servi d'autre que t'es capable gagner des amulettes des talismans de protection bijoux tout bagage ça on m'a dit que nous connaît bagage ça dans monde là côté mon fait monter bijoux et puis pour capable faire ça et bagage donc c'est ça que fait le demander ça le demander pour changer habit tout changer habit changer était capable bon figure de style aussi non seulement rad sur parce que t'as marche en pile mais aussi pour capable mettre au propre au niveau de cœur au niveau de bagage ça fait le demander au fait ça donc nous dit merci
pour toute bagaille ça yo que nous dit que patriarche là Isaac t'est perdu la vie li dans à l'âge de 180 ans rassasié de jours côté nous dit que monde qui était très patient qui était grand pile pour respect pour El Shaddai aussi malgré Philistin était mettait comblé puis de roche il pas découragé il continue à creuser jusqu'à ce qu'elle t'ait trouvé de l'eau donc nous dit encore que et tout ça que El Shaddai t'ait promis était accompli avec lui donc El Shaddai pas un dieu pour mentir selon Nombre 23:19 ni un homme pour repentir donc c'est ça nous capable prendre ça comme leçon nous dit que pour nous capable bailler respect l'un l'autre pour capable aimer l'un l'autre et puis nous même comme serviteur El Shaddai pour nous pas bailler et malédiction parce que dans Luc chapitre 9 verset 51 à 56 Yeshua qui c'est Jésus t'a reprimandé Jacques avec Jean disciple qui t'a demandé en place pour lui pas de baïole et ben il t'a dit pour que ça pas fait feu ciel tomber ben El Shaddai t'a reprimandé il dit non pas fait ça par contre de qu'est-ce qui nous animer ça veut dire que pas oublier que il t'a dit Pierre aussi que pour pardonner 77 fois 7 fois donc nous même au lieu pour nous capable bailler mon maldition et ben prier pour monde pour le changer parce que nous même tout nous tout péché nous tout grand dérapage dans la vie nous pas grand faire des religions pas grand faire dans rien nous même tout analyser nous et puis si n'a fait un reprimandation fait bagaille là en toute sincérité et puis tout en tout respect pour nous pas calomnier l'autre mes amis retaque la paix bon Dieu mais nous c'est pas des îles pour personne capable perdre dans mieux c'est des îles pour nous capable sauver ou même qui ont dérapage dans la vie analyser le et puis reconnaître lui parce que lui te dit et patriarche là Daniel dans Daniel 12 verset 4 que et plusieurs mon appelé et puis connaissance a augmenté au dernier temps donc on dit arrêter avec la paix en nous prier pour nous capable mettre fin à vidéo ça et rédempteur El Shaddai dans moment ça nous remercions infiniment pour grâce ou pour bénédiction que ba nous pour ça faire pour nous pour ça continuer faire pour nous nous mandons pour capable faire nous capable veiller dans nous pour nous pas faire ça nous pas doit faire afin que nous capable rester en conformité avec ou aider nous pour nous dans tout dérapage que n'a faire nous capable prendre conscience de yo et pour nous capable changer physique nous d'épaule pour nous capable ba la vie dans l'autre dimension afin que le corps vini Yeshua pour capable venir nous en bonne et due forme nous vous merci ou a béni tout monde qui parle côté vidéo moi même aussi qui saute faire pour nous capable venir des bagages pour nous capable édifier pour nous capable changer comportement. Mais nous prions comme ça, c'est pas parce que nous bon dit, mais pas mes petits tout Yeshua qui vitrait au siècle des siècles. Amen. Nous dit je vous aime, ciao, pas tuer, pas haïr, pas calomnier, pas bay moun malédiction, en rete fidèle et puis en encourager une l'autre, en exhorter une l'autre en toute sagesse, en pas pointer du doigt parce que El Shaddai pas venir chercher une religion, là venir chercher moun qui remène, qui marche dans volonté. Donc si ou non on bagarre qui en congrégation qui combat en dérapage là-dedans, exhorter moun une l'autre et ou même tout ouais lumière ou dit pas faire tel bagarre une l'autre parce que tout moun gen exhortation pour capable faire une tout moun religion ça gon exhortation pour faire si là fait gon exhortation pour faire si là tout monde gen dérapage donc mes amis en mettez en conformité avec El Shaddai pour l'el venir pour venir nous en bonne et due forme El Shaddai remet nous connaît ça désir c'est pour tout monde capable sauver et puis nous connaît pas quitter nous discret pas chez Benjadisan li pas capable résoudre problème c'est soulagement le bail parce que li pas un créateur son innovateur li je vous aime rete vin goûter Yeshua vin goûter El Shaddai vini l'attendre nous vini pas miser parce que temps coûte parce que il te dit et Timothée comme ça au dernier temps bien temps difficile là bien ceci cela nous tout dérapage ça yo mais si en pas loin comment nous faire connaître que un monde va la coucher l'œil casser les os l'œil en douleur et ben mes amis bagaille casser les os là c'est pour ça en attendre et ben mes amis en pressé pied coûte prend devant pas quitter toi ta barre nous pour l'œil Yeshua venir pour pas rendre nos conformité mes amis retaque la paix je vous aime shalom ciao bye.